J'espère que vous avez apprécié en tout cas ces explications. J'espère que c'est plus simple pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit compte rendu, ce que vous avez compris. Oh le petit blagueur. It's time, Sam. When you're ready, proceed to the shore of the Tar Belt and begin work on the Chiral Relay. Once it's ready, use the Cupid to bring it online. The necessary materials are prepped for you. Supplies are limited, so handle them with care. You'll be carrying a lot too. All things considered, this might be one of your hardest runs to date. Hartman knows more about the site than I do, so he'll take it from here. It's about time for his wake-up call anyway. Administering shot. Stand clear. Donc si vous voulez plus d'explications, je vous invite à regarder tout mon let's play. Right. About that way station. The site we have chosen was an original candidate for the way station we lost to the Tar Belt. Ironically, we suspended construction because we deemed it a little too unstable and not worth the risk. But this time, it's our best shot. Fin de l'imalou. We weren't right to change horses in midstream. C'est sûr. Fortunately for us, the foundation we laid down is still intact. All you have to do is transport the necessary materials to the site and finish the job. I'm afraid it's the only way we can expand the network further west and rescue Harmony. We're counting on you, Sam. Ouais, j'ai peut-être mal à la mâchoire à cause de ma barbe, effectivement. Alors, réparation relais chiral. Alors là, on est vraiment, je pense, vers la fin de l'épisode 8. Hein. Cette commande propose une charge lourde. La compie rapide pourrait se révéler difficile, donc on va utiliser un transporteur photo en véhicule. Ouais, bah oui, je vais accepter. Oui. Et on va partir en bagnole. J'ai pas de bagnole. Pourquoi j'ai pas de voiture? Et pas de voiture. J'ai qu'un transporteur flottant. Bon bah, transporteur flottant alors. Mais comment ça j'ai pas de voiture? C'est que cette arnaque là. 30 kilos, bah ça va. Wouah! Ok, non, d'accord. Oula! Oula! Ok, non, ça a l'air un peu lourd. Je crois que là, même avec la moto... Même avec la moto, c'est pas possible. Oh là. Ça va, Sam? Ah non, je suis même beaucoup trop lourd, là. Alors, transporteur flottant. Oh là, mais attendez, mais... Attendez, comment est-ce qu'on lâche le... Wait. Ah voilà. Non, j'ai dit... Ah voilà, j'ai pas dit blabla. Putain, Sandrine. Sandrine ? Ta mère ? Ah, super. Sandrine va finir à la poubelle, hein, ça va pas traîner. Mais c'est là ça. Ouais. Sandrine elle est un petit peu agaçante je trouve quand même. Bref. Moi, si j'étais toi, je passerais pas par ici. Bah écoute, Sandrine, je fais ce que je peux. Ok, bro. Alors, nous, faut que nous allions... Ah oh, putain, perpète les oies, là. C'est l'histoire d'un gars qui a 5 pénis. Ses slips lui vont comme un gant. Ah d'ailleurs, sachez que j'ai rajouté une blague dans le truc de Sandrine. Et je vous rappelle, hein, si vous avez des blagues courtes, que vous aimez bien, envoyez-les moi en MP sur Discord et je les rajoute. Ah oui, je vais prendre la moto.
si je la trouve. Et la moto elle a disparu là. Ah non, elle est là. Bon, pour l'instant j'ai rajouté la blague de Ribambelle, donc peut-être qu'on l'entendra. Je peux pas utiliser la voiture quand je suis avec ma... avec ça. J'ai trop de marchandises, je peux pas. Non, moi je vais y aller à pied. Hein. Ah, on va y aller à pied. C'est pas grave. Je prends tout sur le dos, hein. On va essayer. Hein. Je ne peux même pas... Oula, j'ai pas l'air bien en point là. Hein. Je ne peux même pas enlever le... Et je... Attendez, je ne peux... Je fais ce que je peux là. Vas-y Sam. Ça marche là ? Bizarre. La physique du jeu est étrange là quand même, genre... Bon, c'est bien par là que je dois aller. Ok. Ok, let's go. Ouais, bah je vais aller vite de toute façon, pas le choix. Hein. Ah, j'ai pas vu Carolo. Ah, je suis désolé, je suis désolé. Un jour... j'aurai une team... Il prépare à tous mes streams et tout. Ah oui, ils sont déjà là, les échoués. Les amis. Ça va chier. Est-ce que vous êtes chaud? Pourcentage de réussite de la mission inférieur à 30%. Ah bah y a déjà un caillou, c'est fini. Mon pire ennemi. Et bah voilà, GG à tous. GG. Bien joué. Un régal. Ah franchement j'ai... Oh bah là c'est parfait. Hein. Oh bah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Yamete Kudasai. Yamete. Pieuvre-san. Elle a encore là ma moto ou pas? Elle est où ma moto? Oh c'est perdu là. Alors... Non, parce que là, ça sert à rien. On va retenter en moto, mais après, sinon, bah, on va faire avec mon transporteur à pied, et puis voilà. Hein. Mais je pense que je vais faire ça avec mon transporteur, en vrai. Hein. Non, c'est bon. J'en aurais besoin, bah écoute, on verra ça sur place. Hein. Mais là, moi je. Je vais faire comme je peux. Hein.
ça comme ça. Comment je pose ce putain de transporteur là? Il est où mon transporteur? Bon, je vois rien. Ah voilà. Putain, Sandrine? Au calme. Comment ça la politesse, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise? Ah bah c'est là. Qu'est-ce que j'ai dit pour que vous disiez poli? J'étais vulgaire? Moi, vulgaire, jamais. Non, ça va, en vrai. Ouais, mais toi, ça tourne vite autour du fuck, quoi. C'est vrai. C'est la première fois que je voyais ce beau, cette belle pieuvre là. Merci Pierrot et Clicklin pour les level up, merci à vous. Oui, en boss, mais là, quand je me fais attraper, c'est la première fois que je la vois moi. Mais écoute, si Pierrot, j'ai gagné un level up. C'est ta faute. Oui, Sam, courage. Là, c'est la grande épopée, là. Qui tourne la tête avant de pleurer? Un robinet. Toujours grossier, jamais vulgaire. Bien vrai, ça. Eh bien, les petits amis... Let's go. Let's go. Ça craint du boudin. Salut Baboon, comment tu vas? Viens sur le stream. Alors vas-y, dis toujours Pueto. Hein. Comment? Donc que ça soit pas banable sur Twitch, tu peux y aller, mais bon. Eh bah, on n'est pas sorti du sable, hein. Enfin, de la neige, du coup. Faut me dire. Mais quoi? Mon dieu, mais Sandrine! Je vais m'énerver! Cette commande, elle marche jamais. Et là, elle me l'a sorti trois fois.
Vraiment Sandrine bourrée hein. Bitch. La tequila, y a que ça de vrai. La tequila. La tequila, c'est vomi, hein. Pourquoi il est rouge lui? Oh, ça va être un méchant lui parce que non, tout ce qu'il lâche. Il avait l'air de déconner zéro celui-ci, il était tout rouge, tout méchant. Tout rouge comme les communistes. Notamment que mon regardeur qui marche sur une plage et là il voit un enfant qui joue dans le sable et il dit c'est mignon, tu joues avec ton papa. Aïe 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 aïe. C'est effectivement de l'humour noir. Il y avait deux d'affilée là. La foire à la saucisse ici là. Bon, on progresse lentement mais sûrement, hein, comme vous le constatez. Je passais par là. C'est une blague et c'est ça avec des petits fours. Ouais, attends. Ouais, un petit 6,5. Putain mais c'est si lent là, j'ai envie de courir. Oh, je peux avancer là, hein, c'est bon. Vas-y Sam. Le faire, bro. Bah voilà, on s'en est sorti. Oh non. C'est bon, nous en sommes sortis. J'ai la situation sous contrôle. Bah, la moto, j'ai fait un essai et je suis tombé directement dans les mailles du filet, malheureusement. Donc, ouais, il y a des avalanches, ouais, je m'en suis déjà pris une. J'ai esquivé l'avalanche, mais je m'en suis pris une, ouais. Il y a 2 ou 3 VOD, on s'en était pris une. Il me semble. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à regarder mes petites VOD
J'aimerais bien atteindre de viser le partenariat YouTube cette année et tout ça c'est grâce à vous. Hein. En vrai, vous mettez une VOD, vous le mettez en x2 avec le son minimum et vous partez faire vos tâches de ménage, la vaisselle ou je sais pas quoi, et ça soutient de fou. Merci beaucoup. Voilà, catapulte, ça doit être stylé ça. Allez Sam, courage. Sam Poor Bridges. Oui, 100 mètres. Miaou, 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 miaou. Miaou. Ok Sandrine, eh ben miaou alors. Sandrine qui miaule. Oh là. Je peux pas faire ça avec le transporteur là. T'es pas obligé de me spoiler hein. S'il y a des mules, je. Bah tant pis hein. Je le découvrirai. Et c'est pas obligé de me pré-shot. Bah c'est pas un spoil. Je sais pas qu'il y a des mules là. C'est ça que ça veut dire que ça, il y a des mules, boîte de stockage. Ah oui, mais bon, pas grave. Spoil backseat, c'est pas grave. Contourner hein. Ça va aller hein. Ils ont dit que c'était fragile. Ouais mais ça va, ils sont dans des conteneurs. Ils savent mettre ça un peu plus costaud, non? Ça va aller, ça va aller. Merci monsieur Bactos et Poueto pour les level up, merci beaucoup. Bon, nous on progresse. Hein. Au pire j'ai un lance-grenade maintenant. Hein. Je crois que c'est la seule arme que j'ai d'ailleurs. Fuck. Oh. Ah. Moi qui pensais que je la faisais malin. Alors chaque point orange est un ennemi, hein, ça faut le savoir. Ils m'ont pas vu là. Oh
Ouais, c'est, si tu les tues, ça fait des échoués, ça, effectivement. Mais là, moi, j'ai rien pour me défendre. Hein. J'ai un lance-grenade. Des grenades glissantes. C'est utile, ça. On va garder ça sous la main. Bien, bien, bien. Alors, pour l'instant, je l'enlève. Alors, un connard là. Tu joues à quoi là, assassin? Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est une catastrophe. Oh, c'est un désastre. Oh, j'ai vraiment trébuché là. Bon, toi, t'as tout gagné. Oh, c'est une catastrophe. Oh là là. It's a fucking disaster. J'ai vraiment trébuché. Oh non. Alors, le clip doit être légendaire de ça. Hein. Franchement, le moment où je me tords la cheville. Banger. Banger. Allez, c'est parti, les petits amis. Ça va chier des bulles carrées. Bitch. Ah, il y en a un juste ici. Bitch. J'ai plus de vie. Il me reste 150 HP. Allons-y, les petits amis. Poche de sang, j'ai bien besoin de ça. Sam! Run! C'est un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise, puis dans une chaise, puis dans un mur. Puis dans un mur. Oh, mais Cécile Opony, bonjour! Comment ça, monsieur Kipo? Ah! Oh no! Run to the hills. C'est bon, on est sorti là. Ça va, bientôt le week-end. T'es trop heureux. T'as la ref technique, hein. La ref is a poquito technico. Et salut Super Marsouin, comment ça va? Comment se passait votre journée? Qu'avez-vous mangé ce soir? Coucou. Ah voilà, on est sortis, facile. Salut Shade, comment tu vas? Ouf. Qu'est-ce qu'un rat avec la queue coupée? Un raccourci.
Choucroute. C'est bon ça. Non, mais la musique est trop belle là. What the fuck? Next level trust issue. Non, ta gueule. Sam, non. You should be nearing the old building site. Mais ben je vois, je suis pas aveugle. Incroyable. You need to get those materials processed in order to finish the Cairo relay. C'est toi que tu me le dis. On dit que tu étais le meilleur. Ah bah c'est étonnant ça. On a réussi chat. Oh là 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 là. Oh la musique par contre elle me fait des frissons là. Oh, faire la musique OMG. On va faire la musique aussi. Là. Tales of Arise. Ok. Ok merci assassin. Un petit peu le son maintenant. Ah, d'où Jésus. Bien joué en tout cas pour ton entretien, c'est le petit. 60 morts et 60 résurrections par jour. Ah oui, là j'ai oublié un colis, t'imagines. JTF4. Transporteur d'élite. Solide. Good job, Sam. Now access the terminal and bring the relay online. Il faut que je change l'emote de boy par Sam. Et l'emote Isaac. Sympa la petite route en mode c'est une croix, c'est très... Beaucoup de symbolisme ici. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. On s'approche de la côte ouest là. Hein. Alors, je peux le rajouter le doute Gazom, hein. Ça, je fais ça en un clic. And with that, we're all linked up. Once you cross the tar belt, the end will be in sight. We're this close to Emily, to America's second chance. Edgenot City awaits. The staff we're sending will start by building a safe house. Over time, they'll expand their operations and establish a new facility. In doing so, they'll carry on the legacy of the brave souls lost to the Tar. All thanks to you, Sam. Now, let's figure out how to get you across this Tar Belt. Une équation. J'aimerais bien pouvoir toutes les mettre, les emotes, mais... J'ai pas beaucoup de place en fait, donc j'essaie de varier un petit peu. Alors attends. Traverser la ceinture de poids. Wait.
C'est locked. Ah non, je veux zéro astuce, je veux rien du tout là. Non, non, laissez-moi, laissez-moi. Oh fuck. En quoi ? Encore de la pluie ? C'est bon, la paix avec la pluie là. Ah, Sam. The only way west is through that. To make matters worse, I don't believe your PCC is capable of building anything that will get you across. There must be a way. We can't give up. Not with what's at stake. We'll see if we can't think of something here. But considering everything you've been through, I wouldn't be surprised if you've already got a few ideas of your own. Ah, ils mettent pas plus que ça. Oh non ! Foutez-moi la paix, vous, là. Attends, ça me saoule, ça. Bitch. Laissez-moi passer. Laissez-moi. Et par rapport à ce que t'avais dit, Shades, je sais plus ce que c'est les musiques de Detroit Become Human. J'ai fait le jeu et je ne m'en souviens plus. Très très bon jeu d'ailleurs. Very good job. Good game. Je raconte. Lance-grenade. Oh, toutes ces armes qu'il y a là. Hop là! Salut le nulos! Oh mon dieu, mais je suis entouré de trop de balles en fait là! Oh ouais, il y en a trop! Hop là! Oh là là! On traverse ça, nous? Attends, je vais déjà m'occuper de ces cons là. Un moyen de améliorer le refuge à l'emplacement indiqué. Intégrer la ville relais aux frontières. Commande numéro 29, refuge. Pas loin d'une refuge. Alors je vais revenir sur mes pas, hein, cette part là-bas. Alors c'est pas des mains en fait. Enfin si, c'est des mains, mais c'est des espèces de cristaux qu'on récupère. Ah mais non, zéro astuce. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux cas de figure. C'est soit vous donnez des astuces, alors que j'ai dit plusieurs fois non, ça fera soit un ban 24 heures.
Si c'est récidive, c'est permaban. Et le problème, c'est que comme moi, j'aime pas faire ça, le problème qui risque d'en résulter, c'est que je ne vais plus faire de let's play comme ça. Et que je ne ferai plus de let's play sur Twitch, parce que le problème, c'est ça. Et comme j'aime pas en fait être méchant ou quoi que ce soit, bah il y a plusieurs. Ce qui risque fortement d'arriver, c'est juste que je ferai de l'esprit dans mon coin. Est-ce que c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire non plus, mais. C'est là le. Tout le problème. Bon. Anything we've missed. A piece of local knowledge, perhaps. The folks who live out that way might have noticed something. Ah bah oui, attends, il y a ma... Les mails, c'est vrai. Ramener des objets venant de l'autre côté à travers la poids. J'ai analysé l'échantillon de poids que vous avez prélevé pour moi. Je dois dire que ces propriétés n'ont rien à voir avec celles que j'ai... Il en va de même pour la poids prélevée sur la strate dans laquelle on a retrouvé l'anémonite. Aucun dépôt n'était découvert en dehors de ceux qui l'accompagnent, les énormes plages fossiles, comme s'il s'agissait de la manière la plus étrange. On dirait que les objets submergés dans des concentrations de poids sont transportés ailleurs. Donc, en jetant cette bombe dans le lac cratère, vous pourriez bien l'avoir envoyée directement de l'autre côté. En supposant que le phénomène fonctionne dans les deux sens, ce signifie que les éléments envoyés vers ce monde pourraient, en théorie, revenir à travers la poids. Ça expliquerait certaines histoires incroyables que j'ai entendues sur des bâtiments entiers engloutis par la poids et qui ont ressurgi spirituellement plus tard. Si la poids est un portail vers le passé qu'elle a englouti, alors nous pourrions peut-être lui faire recracher ce qu'elle a ingurgité avant. Ok, bro. On m'a dit qu'il y avait une ville à la place de ce lac à une époque. Ça m'a rappelé l'histoire de ce porteur qui s'est fait choper par un échoué. Toute cette poids a commencé à remonter du sol avec des rochers, des bâtiments et toutes sortes de débris. Le porteur s'en est servi pour s'échapper à la poids et finir entre les doigts des échoués. Ah bah écoutez. J'arrive les amis. Here's Johnny. Ça va chier. It's time. Alors en fait ça me fait coucou quand on s'en va d'une zone d'échoué en mode bien joué, tu t'es pas fait avoir. Salut les Jones. Donc là faut que je me fasse avoir, c'est ça. Attrapez-moi. Ah, ça doit être ça. Allez-y, chopez-moi les bad boys. Oui, je suis là, allez-y. Oh non, oh je vais tomber, non. Oh. Oh non. Shit! Wouah! Wouah! Oh la vache! Ah!
Oh, terrible. Oh, écoute, Lou, oh, le niveau de stress de Lou augmente, hein. Oh, c'est difficile. Bah, ta gueule! Oh, je stresse pas, moi, là? Incroyable du cul. Ah, c'est vraiment un jeu de fou, hein. Hey Sam! Oh, bien joué, Sam. Oh, il y a Mété, hein. Oh, le coup de queue. Sam. Tout ça pour récolter 20 likes à la fin de la mission là. Oh, le plaisir. Et Sam, c'est un passionné, il fait pas ça pour l'argent, hein. Mais Sam court. Oh, le double saut. Oh, c'est machine. Oui, Amélie, bien joué, Sam. Coucou. Bah, mettre pas surtout, Amélie. Super. Salut, Sorel, comment ça va? Non, pas la vache, mais la baleine. Car elle est un peu plus grosse à ce que je sais à repas, Mr. Doudrop. C'est vrai. Oh! Oh, la vache! Enfin, la baleine, pardon, la baleine. Oh! T'as fait du retard, ta réunion, là. On est là. Falling down, my fair lady.
Non mais quel jeu de fou. Ah. Oh. Hey. Keep your voice down. You don't want to scare the poor girl away, do you? She's in there. I can smell her. Of course, I wouldn't have known for sure if it wasn't for you and your wonderful network. Ah merde. Bless your heart. And thank you kindly. Oh, cette gueule. Careful. Contents are fragile. Like the world and everything in it. Me, I'm no exception. I'm not the only one wearing masks either. There's your boss man. That woman. And, oh, let's not forget little old you. Okay, it's okay. I know it ain't easy wearing a mask all the time. Now the mask can come off, right? Hey, hey, hey. You remember this? No, no, no. Poor sweet Amelie. She's holed up in the beach nearby. Tell you what say we make it a race? Whoever wins gets to usher in the end of days. Nothing like the eve of extinction bring focus to the mind. Makes folks honest. There'll be no need for masks soon. But I wonder, when you look death in her eye, will you blink? Il est bizarre, lui. Très bizarre. Ah, je pleure moi aussi. Oh là là, épisode 9, Higgs. Oh là 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 là, c'est trop beau, c'est incroyable ce jeu. Still with me, Sam? Even now, our way forward, our way to save Amelie is the same as always. Your first priority is to get the local distro center on the network. Until it's complete and everybody's connected, Higgs won't find it easy to get to Amelie. She should be safe. So take your time. And do it right. Et ben en tout cas, belle VOD, j'espère que ça vous a plu. Petit pouce bleu, petit commentaire, tout ça, ça fait plaisir, merci à vous. Et à tout de suite pour prochaine VOD. À bientôt.